Question numéro 17. Combien y a-t-il de paires de nombres positifs de deux chiffres dont la différence est 50? Nombre positif de deux chiffres. La première paire dont la différence fait 50, la différence, la plus petite de chiffres, c'est 10. Donc le plus grand, ça fait 50, 60, 70, 50. Puis le suivant, c'est 61 moins 11, égale 50, 62 moins 12, égale 50. Quelle est la dernière paire? Le plus grand nombre qu'on peut soustraire, que ça fasse 50. Le plus grand ici, c'est 99. Le plus grand de chiffre, moins 49. Alors, combien de paires on a au total? 10, 11, 12, jusqu'à 49. Il y en a combien? Combien de paires? De 10 jusqu'à 49. Il y a 40 paires. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Attention, ne cochez pas la D qui est 39. Il y a vraiment 40 paires et pas 39 paires. C'est comme on dit dans le programme télé, la semaine du 8 au combien? Au 14 février par exemple. Il y a 7 jours ici, comptons-les. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 jours. Voilà, la semaine du 8 à 14 février. Cela fait 7 jours. De 10 à 49, cela fait 40 nombres. Il y a quand même un élève sur 10, un participant sur 10 qui a répondu 39 paires. Attention, comment vous savez compter? Question numéro 18. 45 chats participent à un concours. Tiens, il y a même les chats qui font des concours. 27 des chats sont rayés et 32 ont une oreille noire. Seuls les chats rayés avec une oreille noire sont retenus pour la finale. Combien de finalistes y a-t-il au minimum? Voyons, voyons. Si je soustrais de 45 le nombre de chats, je soustrais 27, c'est-à-dire le nombre de chats rayés, on trouve 18. Donc 18 chats ne sont pas rayés. Bien. Qu'est-ce que je peux trouver encore? 45 moins 32, 45 moins 32, égale 13, 13 chats n'ont pas d'oreilles noires, n'ont pas d'oreilles noires. Alors, comment obtenir le maximum de chats qui ne sont pas retenus pour la finale? 18 chats ne sont pas rayés, donc sûrement ils ne vont pas en finale. 13 chats n'ont pas d'oreilles noires. Si tous ces chats, les 18 et les 13, seraient, étaient différents, leur sens est 31, donc il y aurait 31 chats qui n'appartenait pas aux finalistes. 45 moins 31 égale 14. Voilà.
le minimum de finalistes, vu que le maximum de non-finalistes, il est de 31. 14 représente le nombre minimum de chats finalistes. Réponse D. Pour vous habituer un peu avec les équations, les élèves de 5e, voilà la solution que je vous propose. On va noter avec A le nombre de chats rayés avec une oreille noire, avec B le nombre de chats rayés pas oreille noire, C le nombre de chats noirs non rayés avec une oreille noire et les autres, c'est-à-dire non rayés et pas d'oreille noire avec la lettre D. Bien sûr, ces quatre catégories de chats sont différentes. Les chats rayés, les chats pas rayés. Les données du problème nous disent que A plus B plus C plus D égale 45, aussi qu'A plus B égale 27. Donc, on peut tirer ici la conclusion que C plus D, autrement dit le nombre de chats pareillés, il y a 18. Et puis, aussi dans les données du problème, A plus C, c'est-à-dire ceux qui ont une oreille noire, rayée ou pareillée, mais la somme totale des chats qui ont des oreilles noires, 32. Du coup, et regardez ici, un truc intéressant, A plus C égale 32, C plus D égale 18. Est-ce que vous comprenez pourquoi A égale D plus 14? A plus C égale 32, C plus D égale 18. A doit être égal à D plus 14, parce qu'il y a 14 de différence entre 32 et 18. Quel nombre minimal? Le plus petit nombre de D, par exemple, D, ça peut être le minimum 0. Alors A, c'est un tout petit peu A plus grand ou égal à 14. Et voilà, on a trouvé que le nombre minimal de chats finalistes, c'est-à-dire rayés avec une oreille noire, c'est le nombre 14. Question numéro 19. Un tapis mesure 3,50 mètres de large et 7,50 mètres de long. La figure montre le tapis composé de carrés alternés contenant soit un soleil, soit une lune. On peut voir qu'il y a 7 carrés dans la largeur. Et voilà le tapis en train de se dérouler sur les 7,50 mètres. Combien voit-on de lune quand le tapis est entièrement déroulé? Dans la largeur, 3,50 mètres, il y a 2, 4, 6, 7, 7 carrés. 3,50 divisé par 7 égale 0,50 mètres. C'est le côté d'un carré. Ça veut dire que ici, on aura combien de carrés? 7,50 divisé par 0,5 égale 15. 15 carrés. 15 carrés qui sont en train de se dérouler. Première rangée verticale, il y a 3 lunes. La deuxième rangée, 4 lunes, plus la troisième rangée verticale, 3 lunes, la suivante, 4 lunes, ça alterne, 3 plus 4, 3 plus 4, il faut que j'écrive 15 nombres, je les écris, 3 plus 4, 3 plus 4, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Bien sûr, les malins parmi vous ont remarqué qu'en deux rangées verticales, une à côté de l'autre, il y a toujours 7 lunes. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois 7, 49, plus 3. 49 plus 3, 49 plus 3, 52. Voilà, 52 lunes. Réponse D qui se trouve dans tout le tapis, de gauche jusqu'à droite, jusqu'au bout. Question numéro 20. Bobard, Tuffaut et Mitot, tiens, c'est drôle comme orthographe, mentent toujours. Chacun tient une pierre rouge ou verte. Bobard dit, ma pierre a la même couleur que celle de Tuffaut. Tuffaut dit, ma pierre est de la même couleur que celle de Mitot. Et Mitot dit, deux d'entre nous ont une pierre rouge. Quelle est la phrase vraie? Moi, je résoudrai comme ça. Bobard, Tuffaut, Mitot. Et je mettrai ici les possibilités qu'ils ont de point de vue couleur. De pierre. Alors, chacun tient une pierre rouge ou verte. Bobard dit, ma pierre a la même couleur que celle de Tuffaut. Mais nous savons que Bobard ment toujours. Ça veut dire que s'il affirme cela, alors sa pierre a une autre couleur que celle de Tuffaut. Alors, ou bien Bobard a la pierre rouge et Tuffaut la pierre verte, ou l'inverse, Bobard la pierre verte et Tuffaut la pierre rouge. Voilà les deux possibilités à propos de l'affirmation de Bobard. Venons-y à Tuffaut. Tuffaut dit ma pierre, Tuffaut il est là, ma pierre est la, de la même couleur que celle de Mitot. Donc il ment. Donc, les couleurs des pierres de Tuffaut et de Mitot sont différentes. Si Tuffaut a vert, pierre verte, Mitot a une pierre rouge. Si Tuffaut a une pierre rouge, Mitot a une pierre verte. Et qu'est-ce qu'il dit Mitot? Deux d'entre nous ont une pierre rouge. Il ment. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Et comme dans cette variante, deux entre les trois ont une pierre rouge, on a deux, Bobard et Mitot, ça veut dire que cette variante est la vraie, d'après les affirmations des trois, en sachant que tous les trois mentent. Bobard a donc la pierre verte, Tuffaut la pierre rouge et Mitot la pierre verte. Alors, d'après cette déduction, on va voir, ah, la pierre de Bobard est verte. Oui, la phrase A, pour l'instant, elle est vraie. La pierre de Tuffaut est verte. C'est faux. La pierre de Tuffaut est rouge. La pierre de Mitot est rouge. C'est faux. Parce que la pierre de Mitot est verte. Hein. Cette variante n'est plus vraie. Les pierres de Bobard et de Mitot sont de couleurs différentes. Bobard et Mitot sont de couleurs différentes. Ben non. Elles sont vertes tous les deux. Cette phrase n'est pas vraie. Aucune des phrases A, B, C, D n'est vraie. Ça c'est faux parce qu'on a la phrase A qui est vraie. Et voilà. C'était le Bobard du jour.